te baffle lui. Toi tu seras un champ de blé qui moissonne chaque matin. Fera le
remercie la paroisse de Piton Saint-Louis pour avoir fait cette jolie messe ce matin pour les agriculteurs de Saint-Louis. Et les agriculteurs ailleurs aussi, des amis de Tassali. Merci. Et je vous remercie tout le monde qui a participé à cette messe pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on a fait cette coffre agricole pour montrer un peu ce que nous faisons, montrer le travail des agriculteurs Saint-Luc qu'on fait. Je remercie la commune, M. le maire et ses collectivités qui nous ont mis en place toute logistique pour cette belle manifestation. Et je remercie tous les amis qui les aient. Et les agriculteurs qui nous ont aidés pour cette manifestation aussi. Et je remercie tout le monde. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mon père, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, monsieur le président de l'association des agriculteurs de Saint-Leu. Donc, j'aimerais avant toute chose remercier mon père d'avoir fait le déplacement ce matin jusqu'ici pour organiser cette messe. Remercier la chorale. Alors, bonjour à tous. On a voulu organiser cet événement depuis 3 ans maintenant, mais avec la crise sanitaire, on n'avait pas pu. Et donc, c'est chose faite. Donc, avec l'association des agriculteurs de Saint-Leu, on a décidé ce week-end de faire ce carrefour agricole. Donc, sur 3 jours, ça a commencé hier, donc sur la plateforme de Stella, donc avec des démonstrations de matériel agricole. Et aujourd'hui, on a commencé par la messe, donc célébrée par la paroisse de Piton, le curé, Père Jean-Jacques. Et tout au long de la journée, donc, il y aura des démonstrations, des ventes de fruits et légumes ici, donc aujourd'hui et demain, et des animations musicales dès ce soir, donc 2 groupes ce soir et 2 groupes demain soir. Le but de cette manifestation, c'est de présenter aussi le travail de l'ensemble des agriculteurs de Saint-Leu, y compris sur le secteur de Portail, puisqu'il y a beaucoup de canniers ici, sur le bassin ouest, sur le périmètre Antanuit, donc allant de Grandfond jusqu'à Chemin Boussole, entre deux, et puis Boinef, Grande Terre, donc où il y a quelques agriculteurs également. Alors aujourd'hui, sur le bassin ouest à Saint-Leu, c'est plutôt la culture de la canne, mais aussi il y a quelques diversifications avec l'oignon, l'ail, l'ananas aujourd'hui et quelques surfaces en petites tomates plein champ et en sol. Alors on souhaiterait faire pérenniser cette manifestation, cet événement, puisque la ville de Saint-Leu est une ville agricole, puisqu'il y a quand même plus de 3000 hectares de surface agricole aujourd'hui irriguée sur le bassin de Saint-Leu. Donc ce serait bien que cet événement soit pérennisé à l'avenir sur Saint-Leu. Un jour nous offre des plans à la rencontre d'aujourd'hui.